Le maire de Générac peine à cacher son émotion après le crash d'un bombardier d'eau dans sa commune. Et là, aujourd'hui, avoir des victimes, c'est dramatique, quoi. C'est pesant. Quoi. Aujourd'hui, c'est un drame. Générac est marqué par le drame. Le président de la République a rendu hommage hier soir à ce pilote de bombardier. Il a donné sa vie pour sauver celle des autres. Pensée pour la famille et pour les camarades de ce héros français. Le drame s'est produit hier peu après 17h. Un avion Tracker de la sécurité civile s'est écrasé alors qu'il luttait contre les incendies qui font rage dans le Gard. Le pilote est décédé, un témoin raconte. J'ai vu cet avion traverser cette fumée et en sortant de cette fumée, qui est venu se cracher complètement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Les pompiers, eux, ont continué à lutter contre les flammes. Il faut poursuivre les missions de protection des personnes et des biens. Et dans la tristesse, nous devons poursuivre notre mission. C'est ce qui nous anime en ce moment. Ce type d'accident est rarissime. En 2005, deux pilotes avaient perdu la vie dans le crash d'un Canadair en Corse.